Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 de notre aventure sur Star Fox Adventure. Nous sommes d'ailleurs toujours dans les mines de glace. Nous avions trouvé la trompette dorée dans l'épisode précédent, le corps qui appellerait visiblement des dinosaures. Donc nous allons l'essayer aujourd'hui. Waouh, franchement, 20 sur 20, il s'est vraiment bien joué. On voit qu'il a pris beaucoup de cours lorsqu'il était au collège. Cours de corps, vous imaginez déjà qu'on devait jouer de la flûte à l'époque. Imaginez, si on devait jouer ce genre d'instrument à 30 élèves dans la classe, à jouer à une espèce de corps bizarre qui fait le bruit d'un mammouth. J'imagine même pas le prof de musique qui en ressortirait le soir après 8 heures de travail à écouter 30 élèves jouer de cet instrument. Bon, écoutez, arrêtons de raconter n'importe quoi et partons affronter le blizzard. Oula. Il y a une barre de vie là. Alors, pour pouvoir le guider à travers le blizzard, il faut lui donner des racines, chercher des par terre et marcher dessus. Là, il y en a une, là. Ouais, donc en gros, c'est le petit poussé des racines. Eh bah écoutez, cette musique me fait... Je sais pas si elle me fait délirer ou si je... Si elle me fait pas désespérer, cette musique. J'arrive pas à savoir, j'oscille entre les deux. Parce qu'à chaque fois j'ai l'impression d'aller à 2 à l'heure. Oh là là, qu'est-ce que je donnerais pas pour un petit kart à la Mario Kart live. Allez, bouge-moi ce popotin là, mon gros mammouth. On passe à gauche? Voilà, on va passer à gauche. J'ai l'impression que tout le monde ne fait que manger d'ailleurs dans ce jeu vidéo. Que ce soit le Tricky ou les mammouths. Ouh, c'est bon. Tricky? Tricky! Your friend will turn up. They usually do. Maybe I can help until he does. Bon. Attendez, je vais pas déposer tout de suite le mammouth. Voilà, parfait. Bon, bah on a perdu notre petit dinosaure, notre petit Pokémon. Ah, le nombre de scarabées qu'il doit y avoir sous une pierre comme ça. Je donnerais cher pour pouvoir la soulever. Alors, on va se faire tout le monde par ici. Hop là. On va essayer de retrouver notre petit Tricky. Pour l'instant, on n'a toujours pas de traces de cette fameuse mammouth femme que nous étions censés sauver, celle qui a vendu finalement, entre guillemets, son peuple sans vraiment le vouloir pour lui assurer la sécurité. Ah, bah voilà, moi qui voulais un peu d'action et de... Et je parlais de cartes, bah finalement, là, je suis servi. Ouh, c'est parti. Visiblement, c'est pas vraiment une course, mais au moins. Au moins, on a droit à un peu plus d'action dans ce jeu. Ouh, mais j'ai l'impression de tourner en rond. Non, c'est nouveau ici. Purée, c'est super grand ces mines. Bon, là en tout cas, c'est vrai qu'on comprend mieux le concept de mine avec ces grands couloirs. Oh là là, t'aurais pas pu ralentir au lieu de te cracher là. C'est pas possible ça. Tricky! Ah, ça brûle! Bon, oh, écoutez, hein. Bouge-toi de là, toi! J'ai déjà une mauvaise journée, j'ai crashé ma voiture. Je te dis pas les coûts de réparation que ça va me coûter. Voilà, toi. Oh là là. T'es un petit rigolo, toi. Voilà, tu voulais pas prendre les coups, là.
Ouh, du scarabée, du scarabée. Ça faisait longtemps. Oh, ils font rouler les dinos, là. Ricky, je t'entends. Où es-tu? Pas possible, ce champignon. On va aller voir là-haut. J'aime bien le concept de l'écho quand même. C'est assez bien fait. Wow! Au secours! C'était pas prévu dans le plan, ça! Hey, si j'étais passé en vitesse et que j'avais pas fait attention à ça sur le mur, je serais passé à côté de cette superbe clé. Kezako. Alors, la clé de la prison. Et ces boules et cette façon de se cacher dans le mur, ça me fait vachement penser à... Ah, je peux pas aller plus loin. À Mario 64. Hein. Hop là. Wouhou! Je ne sais pas du tout où je dois aller. Je vais essayer de descendre là en sautant. Bon, d'accord. Ouais, il y a des endroits où on peut sauter, des endroits où on peut pas. Je comprends pas bien la logique. Bon, au moins on a une clé, ça permettra peut-être de libérer Tricky. Même si je ne sais pas vraiment où il est. La magie, tiens, j'en ai besoin un petit peu. Ouh, ah, les cristaux jaunes. Pas mal ça. Salut. Bon. Il a pas l'air très motivé, attendez, on va le motiver un peu à travailler. Allez, plus vite! Ça marche pas, dommage. Oui, moi c'est comme ça que je fais travailler les gens. Sous la torture! Écoutez, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Alors... Ah bah il s'était fait capturer alors, le pauvre. Tricky, salut. Bon, par contre, à côté, on a une mammouth à sauver là-bas, je vois ça. Bon bah c'est parfait, je suis allé vraiment ici par hasard. Il se trouve que c'était le bon chemin. Hop là. Ouais bon, alors là, laissez tomber. Je vais pas perdre de temps à chercher comment, à comprendre comment ça marche. Ok, j'ai cru qu'il allait me brûler. Oh là là, mais c'est que ça glisse ici. Ouh là 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 là. Bah, on va avoir la clé là. C'est parfait. Ah, oh, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on avance plutôt bien depuis qu'on est arrivé dans cette zone de la planète. Il renifle derrière nous. Bon, et la deuxième clé du coup, c'est parti. Allons libérer Madame la Mammouth. Comment est-ce qu'on appelle une mammouth femelle? Ouh! Je ne sais pas. On va l'appeler Madame la Mammouth. Oui, les flammes font tellement pas mal que... Encore, on serait dans un Zelda, on perdrait un cœur entier. Là, on perd même pas un quart de cœur. Allez, réveille-toi, toi. Who are you? I am Fox, and this is the Crown Prince of the Earthwalkers. We've been sent by the Snowhorn Gatekeeper to find the Spellstone. Do you know where it's hidden? My name is Belina Tay. The Gatekeeper is my father. Did he send you to rescue me? I'm sorry, Belina, but he feels you have betrayed the beliefs of the Gatekeepers. We were only sent to find the Spellstone. The old fool! I had to save the tribe. If it wasn't for my father being a gatekeeper, none of this would have happened in the first place.
Bolina! Are you there? Listen carefully! Find a way to the bottom of the mine! I'll meet you there! C'était le plan le plus bidon de tous les temps, mais bon. Puis on m'explique pourquoi... Alors j'ai déverrouillé la porte, et du coup, ça lui a permis de s'échapper par le mur. Elle ne pouvait pas s'échapper avant que je déverrouille la porte, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais bon, on va la rejoindre. Heureusement qu'il y avait un petit passage par là, sinon c'était galère. Heureusement d'ailleurs qu'il y avait un passage derrière le mur, parce que sinon... Elle aurait foncé dans le mur, et à part s'exposer le nez, ça aura pas eu un grand résultat. C'est plutôt joli, tiens, ici. Oh non, ouais. Va-t'en, toi. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, mon bonhomme, et ça ne manquait pas. Pardon, Tricky. Je comprends pourquoi il fugue, hein, Tricky, vu le nombre de coups que je lui mets dans la figure à chaque épisode. Je pense que tout le monde ferait de même. J'aime bien les effets de reflets dans la glace. Du premier coup. Bon. Qu'y a-t-il vers là-bas? Ouh, c'est froid. Ah, c'est quoi ça? Je ne peux pas aller là-haut? Enfin, là-bas. Enfin, je ne peux pas monter, quoi. Ah, mais je peux pas monter du tout? C'est quoi ce délire, là? Je peux rien faire dans l'eau. Ah, par contre, ici, je peux. Bon. J'ai dû rater quelque chose d'important. À mon avis, on a besoin d'une plateforme de glace dans cette histoire. Ouais. Bizarre cette histoire. Parce que sans plateforme de glace... Je vois pas trop comment passer. Écoutez, on va retenter. Oula! Non, c'était pas prévu ça. Comment faire, comment faire, comment faire? Aïe! Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Au secours! Ah ah! Voilà, bon. Pas trop de logique, mais au moins, on va peut-être pouvoir retrouver un petit peu de soin, parce que là, ça devient assez critique, cette histoire. Bon, de toute manière, on ne va pas prendre davantage de dégâts. Voilà, et ben ok, très bien. Ça marche, ça marche, ça marche. Bon, là-bas, je peux pouvoir, hein, c'est trop loin. C'est catégoriquement trop loin. Oh non! Au secours! Il va me tuer. Il va me tuer, il va me tuer, je le sens. Donne-moi un peu de vie. Oh là 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 là, mais j'ai plus rien comme vie. Je l'avais tué, quoi. Pourquoi il est revenu? Il me reste un quart de cœur, là. Il me reste juste un quart de cœur. Je sens le game over arriver. Je sens le game over arriver. Ce serait le premier du jeu, là. Si jamais il arrivait. Oh! Pas le droit à l'erreur. Hein. Absolument pas le droit à l'erreur. Ouh, ça fait des narines. Faudra que je saute là-haut. Si je me rate, je meurs. Attention! Attention! Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Un petit peu de soin, quelque part. Oui, 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 oui. Allez, on se jette dessus. Ok, magnifique. Ça va, on a un peu plus de chances de survivre maintenant. Oui, j'ai absolument pas envie d'avoir un game over. Moi qui n'arrêtais pas de vous répéter que le jeu était facile, ce serait un petit peu une déception que d'avoir un game over après avoir répété ça encore et encore. Plouf! Ah bah, il y a un peu de vie là-bas aussi.
Ok, c'est bon. On s'est refait une petite santé. Et on m'avait dit aussi d'ailleurs que je pouvais sauter d'une hauteur très haute. Si je me réceptionnais en faisant une roulade, je ne prendrais pas de dégâts. Alors ça reste à essayer. Il n'y avait pas ça avant, hein. Ouais, c'est quand j'ai fait tomber le bloc de glace, d'accord. J'aime bien cette petite musique dans cette zone, c'est très reposant. Ok, dans le doute, hein, j'essaye, mais... Ok, il y a Tricky qui a pris feu. Wow. Ah, j'ai voulu faire une roulade pour l'éviter. Et j'ai fait une roulade pour lui foncer dessus à la place. Ah, c'est bon. Allez, la vie remonte. Non, Tricky, me donne pas ta flamme. Tricky veut me déclarer sa flamme, je crois. C'est que maintenant que tu te réveilles? Purée, j'aurais pu me dire ça tout à l'heure. Ah, un petit peu d'argent, ça fait plaisir. Au secours! Il y a des flammes! Oh, j'ai fait une de ces esquives là. Parfait. Ouais, j'essaie de conserver un petit peu plus ma vie maintenant. Eh ben dis donc, elles sont énormes ces mines. Belina, you made it. It hasn't been easy. Now where is that spellstone? My father didn't say exactly where it was, but he knew that General Scales had hidden it somewhere close. Look carefully. I'm sure you and your little friend can find it before they do. Time is short. You must find the spellstone. Wow. Déjà, si tu n'avais pas fait écrouler le chemin, on aurait pu te suivre. Alors viens pas en plus me dire derrière qu'on manque de temps. Sérieusement. Alors, bon, visiblement, on se rapproche en tout cas de cette fameuse pierre. Hein. Ah, il y a le retour des champignons géants ici, on va faire attention. Je crois que la dernière fois que j'avais failli avoir un game over, c'était justement à cause de ces champignons géants. Oh là là là, ça commence. Ça commence mal tout ça, on va faire attention. Alors... Concrètement, comment ça va se passer tout ça? Là, on va passer par là. Ouh! Purée, il pleut des barils d'explosifs. Ici. Je m'embrouille dans les mots. Des barils d'explosion. C'est pas mal non plus comme nom. Oh la vache, je m'en souviens de ça. Oh non, ça avait dû me traumatiser quand j'étais jeune ça. Pour que je puisse m'en souvenir comme ça. Ah bah je crois que je commence à comprendre pourquoi ça m'avait traumatisé quand j'étais jeune. Oh là là, mon dieu quoi, la blague. Ouh! Allez, allez, allez. Ah, c'est pas si simple, hein. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. La question étant maintenant, où est-ce que je dois jeter ça? Là-bas? J'espère que c'est une mauvaise blague, ça. J'espère que c'est une mauvaise blague. Où est-ce que je devais jeter ce machin? Sérieusement. Je vois vraiment pas d'autre endroit en plus où j'aurais pu le jeter. C'est quoi cette histoire bizarre, là? Fallait le poser ici? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Bon, en tout cas, j'avais réussi ce truc super compliqué, tout ça pour rien, comme d'habitude, hein, je suis super doué pour ce genre de choses dans les jeux vidéo. C'est pas grave, je l'ai réussi une fois, je peux le refaire deux fois. Au moins que j'essaye de comprendre ce qu'il faut faire pour la suite du jeu. Ok, ça va faire monter ça là.
Ouais. Je vais faire remonter ce machin parce que voilà. On sait jamais. Et là-bas, faut faire péter le mur. Ok, bah allez donc. Oh, le truc juste impossible. On va éviter de perdre plus de vie parce que... Là, pour le coup... Waouh. Ok. C'était plutôt violent comme chute. Bon, j'avais juste pas envie de perdre plus de temps non plus. Alors, on va réussir cette histoire. C'est pas trop compliqué. Pas de soucis, Heureusement, par rapport à ça, il y a une certaine logique. Assez facile à comprendre, ça va. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, il va falloir poser ce machin. Je ne sais pas comment on fait, mais il va falloir le poser. Ah, placer, d'accord. Et là, on va la tirer en haut. Ce qui va être un peu plus compliqué, peut-être pas plus compliqué, mais un peu plus stressant. C'est vrai que le coup des flammes. Pourquoi stressant? Parce que moi je n'aime pas attendre avec un truc explosif dans les mains. Même si, même s'il n'y a pas de temps limité, je n'aime pas attendre avec un objet dans les mains. J'ai toujours envie de courir avec et de le balancer. Sur je ne sais quoi. Peut-être mon côté psychopathe qui ressort dans ce genre de cas. Allez, va chercher, tonneau. Il y a un vieux bruit de bisous, je sais pas ce qu'ils ont fait pour faire ces bruitages, mais... Bon, on a le tonneau, c'est le principal. Wow! Oh, je vous jure, il m'aurait touché, j'aurais pété un peu. Allez. Est-ce qu'il faut le placer? Faut sûrement le lancer. Hop! Yeah! Ouh! C'était stressant cette histoire. Merci monsieur le trompettiste. Très gentil de ta part de me réclamer de cette façon. Bon! Eh bah du coup on peut se permettre de... Aïe! De tomber tout simplement. Ouh! Quoique. Est-ce vraiment plus rapide? Je ne sais pas. Bon bah écoutez, je suis tombé. Comme ça c'est fait. Aïe, bim, allez hop. Oh si, c'est plus rapide ça. Je sais pas où est Tricky, il a disparu. Bon. Je sais pas s'il faut monter ou descendre. Merci encore une fois. Très gentil de ta part. Ah, le canon. Oh oh oh. Et bah visiblement, il fallait descendre. On va quand même aller voir ce qui se cache en haut. Est-ce que vous croyez que si je me fais rouler dessus par ce machin, ça me fait des dégâts ou ça me tue ou est-ce que ça me transforme en crêpe de renard? Je ne sais pas. Mouais. Bon, bah il y avait rien, absolument rien. Ils auraient pu cacher un petit, je sais pas, même des scarabées. Je trouve qu'ils cachent très peu de scarabées dans le jeu. Ça force pas forcément, ça motive pas forcément à chercher à droite à gauche. Un peu dommage. Non, bah comme quoi c'était assez drôle, cette zone m'avait vraiment marqué quand j'étais plus jeune, pour que je m'en souvienne comme ça. Je ne sais même pas, là aussi, là où c'est drôle, c'est que je ne sais même pas où est-ce que je me suis arrêté dans ce jeu étant plus jeune. Est-ce que je l'avais fini? Est-ce que j'avais bloqué sur le boss de fin? Je sais pas, mais du coup ça me fait un petit peu délirer comme ça, de retrouver certains souvenirs comme ça de mon enfance en jouant dans ce jeu sans jamais savoir à quel moment je vais me souvenir de quelque chose ou non. Alors que théoriquement, si j'avais une très bonne mémoire, je serais censé me souvenir de tout, mais c'est absolument pas le cas. Non, c'est assez drôle, c'est pour ça aussi que j'avais envie de redécouvrir ce jeu. Voilà, salut! Pou, 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 pou!
Lui, il a morflé. Il a morflé, le pauvre. Allez, on va utiliser le canon, puis on, ça, on se laissera un petit peu après. Oui, d'accord. Ça n'a strictement aucune logique tout ça, mais... Pas de soucis, pas de soucis. Y'a rien d'autre à débloquer avec, par hasard? Non. Allez, on descend. Alors, la question étant, où est-ce qu'on a débloqué ce passage? Là. Allez, tombe. Ça doit faire vachement mal. En plus, elle est super bien faite, je trouve, l'animation de chute. Je sais pas ce que vous en pensez. Le fait de voir le personnage comme ça qui se prépare à chuter. Non, je trouvais que c'était super, super bien fait. Bon, changement de dimension, du coup. Mais il y a des combats de boss dans ce jeu. Oh, j'ai hâte de voir ça, tiens. Ah, j'ai super hâte de voir ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi la taille du boss. Ah, j'étais morte. Mais malheureusement, on va se laisser ici. Oh, moi, il y a Tricky qui est parti aller voir le boss. Oui, on va se laisser ici. J'ai envie de garder un petit peu de suspense, de me réserver le combat de boss pour l'épisode suivant. En plus, ça me motivera à fond comme ça de tourner pour voir la suite du jeu. Ah, là, pour le coup, là, j'ai hâte de voir ça. Je pense que vous aussi. Bon, en tout cas, je suis content. On a bien avancé aujourd'hui. Voilà, c'était assez classique tout ce qu'on a fait. Ouh, faut pas que je sorte de la plateforme. Ça risque de déclencher le combat. En tout cas, ça m'a bien plu. J'espère que vous aussi. Et on se retrouve, du coup, rapidement pour la suite de cette aventure. Allez, ciao tout le monde.